Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une bande dessinée qui nous a beaucoup plu. Collaboration horizontale. Verticale, horizontale. Non. Dans une France occupée par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, qui rose, jeune infirmière qui va connaître un destin peu conventionnel. En effet... Stop. Non mais stop, faut qu'elle se calme là, à chaque fois elle parle dans des lire, je comprends pas. Comment vous l'avez bien dit, oui. L'histoire se passe à Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers les dessins de Carole Morel, qui, à l'aide de Navi, nous raconte le quotidien des habitants d'Animé. Notre héroïne va tomber dans une romance tumultueuse avec Marc, grand et beau soldat servant dans l'armée nazie. Par des histoires d'amour peu ordinaires. Des actes résistants ou tout simplement se démarquant des autres. Collaboration horizontale vous émouvra comme jamais. Fragile. Ta gueule. Collaboration horizontale met en scène une société peu tolérante envers tous ceux en opposition avec les clichés. Par exemple, Simone n'ose pas assumer son statut de lesbienne de peur de se faire rejeter par ses proches. Même le port du pantalon était mal vu à l'époque. C'est dire l'étroitesse d'esprit. Joséphine, obligée de se prostituer pour subvenir à ses besoins, illustre également parfaitement bien l'intransigeance de la société. Passons. On retrouve dans cette histoire les personnages les plus intéressants, mis en valeur par les dessins soulignant à la perfection les différents caractères de ceux-ci. Un grand-père attendrissant. Viens, ma petite Simone. Tu sais, un jour, j'ai combattu avec De Gaulle. Ça, c'était le bon temps. C'était le bon temps, je te dis. Des enfants insouciants. Une indépendante au grand cœur. Et une jeune femme victime de la société. Les couleurs féminines par la vie nous appellent. Et au contraire, dans certaines scènes, elles nous agressent et créent une atmosphère perturbante, voire gênante. Lorsque l'on rencontre une planche avec une illustration centrale, c'est une découverte profonde d'un des personnages et une révélation sur celui-ci qui nous attendent. Les personnages évoluent au fil de l'histoire et c'est ce qui la concrétise et qui la rend d'autant plus vraie. Au final, un livre à lire et à relire. Ça va, je te dérange pas, Émilie? Non, non, ça va. Bon, allez, on vous laisse. Bonne lecture. Parce que nous le valons bien. Qui va déconnaître. Non, stop, stop. C'est bon, hein. Mais putain, Émilie. Infirmière qui va déconnaître. Vas-y. Mais tu sais que ça m'arrive dans le bêtisier, t'es con, toi aussi. Comme si je me. Allez, c'est parti les amis. Juste, essaye pas trop de taper du poing parce que ça fait bouger. Bon. Wow. Ça fait 30 secondes de conneries sur conneries. Waka 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 Allez, on y go. Oh, mais pourquoi? C'est bon? Oui.
Après tu veux. Vas-y. Vas-y. Collaboration. Ah bah non, pas. Maintenant je pensais que tu rigolais. N'importe quoi. Bon, c'est parti. 1, 2. Attends. Ah, Lily. Terre de ceci. C'était à toi. Et je marche avec ça, c'est Carla. Et elle joue trop bien le grand-père. Le gros zoom. Bonjour. C'était mieux avant. Oh, un immeuble. Et nous l'avons encore loupé.